professeur Alpha Condé il se porte bien. Et on est vraiment étonné de sa vigueur. Le bon Dieu lui a accordé une santé que nous saluons. Et vous savez, c'est un monsieur qui a un mental fort. Il a toujours été comme ça. Et il supporte les épreuves plus que même des jeunes. Nous ne vivons pas présentement à l'étranger. Nous sommes au pays Nous apprenons comme vous qu'il y a des conversations téléphoniques entre eux, mais cela ne nous surprend guère dans la mesure où les hommes politiques, les politiciens avisés en général, ils ont tellement l'esprit de responsabilité que le moment venu, quand il le faut, ils savent se mettre au-dessus, prendre du relief par rapport à leurs divergences, quelle que soit et la consistance de leur divergence pour faire face à l'intérêt commun. En général, les politiciens avisés, les hommes d'État qu'ils sont, se comportent de la sorte. Je pense que oui, avec la volonté politique des autorités et l'accompagnement de la communauté internationale surtout, parce que vous savez, nous sommes des pays à faible revenu. Il faut le dire, nous sommes des pays à revenus faibles. Donc, pour dérouler l'agenda de la transition, il faut des ressources, mobiliser des ressources aussi par rapport à toutes les activités à réaliser dans le chronogramme. Donc si nous sommes accompagnés avec la volonté politique des autorités, je crois que 2 ans, c'est raisonnable, on pourra vraiment parvenir au retour à l'ordre constitutionnel après 24 mois. Provisoire.